écoutez, rebonsoir à tous. Bienvenue dans À demain, vers demain, l'émission réservée aux thérapeutes. Et ce soir, donc, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, j'ai invité Michel Guénier qui va venir nous parler de la loi de l'attraction. Voilà, voilà. C'est ça. Ça va, Michel? Bonsoir à toutes et à toutes. Alors, comment vas-tu bien? Ben, ça va très bien. Ça voilà, va tu vois, ça c'est la loi de l'attraction. Comment vas-tu bien? Voilà. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire ce que tu fais, tout ça, quoi? D'accord. Alors, moi, je m'appelle donc Michel Guénier. Et ça fait depuis pas mal de temps que j'ai fait cette conférence sur la loi de l'attraction. Donc déjà, j'ai commencé de la faire dans ma région. Et c'est vrai qu'elle a très, très, très bien marché. Et je l'ai fait aussi, j'ai fait la conférence complète que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il vous suffit de taper Michel Guénier. Et donc, c'est une conférence que j'avais fait avec le Grand Changement. Ça dure 2h30. Il y a vraiment tout. En fait, c'est un petit peu différent de ce que vous avez pu lire ou entendre sur d'autres conférences ou lire sur des livres sur la loi d'attraction. En fait, j'explique vraiment pourquoi de l'attraction fonctionne, pardon, et pourquoi elle peut aussi ne pas fonctionner. Et après, j'essaye de vous expliquer comment l'appliquer dans la vie de tous les jours, que ce soit sentimentalement, professionnellement, financièrement ou au niveau santé. Et après, je fais tout un tas de parallèles entre la loi d'attraction et la foi, etc., etc. Donc, si vous voulez, je vous invite à la regarder donc sur YouTube. Vous tapez juste Michel Guénier. Alors, j'en ai fait une sur la loi d'attraction en général. J'en ai fait une autre spéciale ado, enfant, famille. Et puis, vous me trouverez aussi sur une autre conférence, en fait. Qui semble ne rien avoir, mais c'est sur la manipulation. Voilà, parce que je fais partie aussi d'une association sur les gens qui sont voilà manipulés à cause des pervers narcissiques et tout. On en a Et parlé. j'ai aidé beaucoup de ces personnes par la loi d'attraction. C'est marrant que tu parles de pervers narcissiques, parce que c'est exactement ce dont a parlé Audrey, juste. Ah, C'était d'accord. son J'ai pas dernier vu. sujet. Trop Je marrant. Bah, regarderai comme ça, en au moins, ça fait une replay. suite. Il y a une suite logique, en quelque sorte. Et D'accord. ça aussi, c'est la loi de l'attraction. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis je te remercie, donc, François, de passer sur ta radio. Ah bah c'est moi, voilà, moi j'invite plein de monde comme ça, qui vit d'origine aussi diverse que variée, hein. Et ils viennent chacun parler un petit peu de ce qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont, voilà, tout simplement. D'accord. Et donc, bah, tu fais partie de ces gens-là. La loi d'attraction, c'est quelque chose de complètement différent. Et encore une fois, quand on regarde sur les livres où on nous dit qu'il suffit de claquer les doigts pour que tout soit facile, moi, ça fait 35 ans que j'aide des personnes, un peu plus de 35 ans. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à le faire, j'avais tendance aussi, je dis bien au tout début, à lire, à répéter un petit peu ce qu'il y avait dans les livres, dans les conférences, en disant « Ah ben, il suffit de dire, si vous êtes malade, il suffit de dire qu'on est guéri pour que ça aille mieux. Si vous êtes pauvre, il suffit de dire qu'on est riche pour que ça aille mieux. » Et en fait, je me suis aperçu que c'était complètement illusoire et c'était pas comme ça qu'on obtenait vraiment des changements dans notre vie. C'est beaucoup plus à la fois compliqué et à la fois plus simple que ce qu'on pourrait l'imaginer. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui, il a raison. Quand on se pose tout un tas de questions, de dire ben, on nous dit qu'il suffit de faire ci pour que ça marche, on nous dit qu'il suffit de faire ça, et le processus est complètement différent de ce qu'on peut imaginer. En fait, Catamaran, c'est une fille, hein, c'est pas un garçon. Ah, pardon, d'accord. Excusez-moi. Je le dis comme ça. Je le dis juste comme ça. Bon, ceci Alors, dit. Si elle veut développer, je veux bien lui répondre. Voilà, mais justement, elle dit comme ça, la loi d'attraction, c'est tout simplement le positif qui attire le positif, et forcément le négatif qui attire le négatif, en quelque sorte. Enfin, je pense qu'elle dit. Oui, alors, je prends toujours, là aussi, je prends toujours faire référence à la conférence que j'ai faite, mais moi je l'explique très simplement, et je vais reprendre ça pas longtemps. Le matin, quand vous êtes, pas le matin ou peu importe, quand vous mettez la radio, alors il y a des gens que ça va laisser bien sourire parce qu'ils savent que j'insiste beaucoup là-dessus, quand vous mettez la radio et que vous voulez écouter de la musique classique, vous êtes d'accord que vous allez vous mettre sur une station classique. Si vous vous mettez sur Skyrock ou Energy, vous n'allez pas écouter du classique, on est bien d'accord. Donc ça sera bien à vous de tourner le bouton pour vous mettre sur du classique. Par contre, parfois vous êtes bien sur des classiques, et il va y avoir des parasites, ou alors ça ne va plus capter du tout. Et ça sera bien à vous de vous remettre dans les bonnes ondes pour recapter de la musique classique. L'attraction, c'est exactement la même chose. Plus on voit de petites choses positives tout au long de la journée, plus on va se mettre sur les bonnes ondes.
Encore une fois, je ne dis pas qu'il suffit de claquer des doigts pour que ça arrive, mais plus on va allumer sa radio sur les bonnes ondes et plus on va capter des bonnes ondes. Pourtant, on peut être sceptique, on peut dire les ondes radio, tout le monde est d'accord avec moi, on ne les voit pas. Ce n'est Et pas non. quelque chose qui est visuel. Alors oui, on sait que ça existe. Eh bien, la loi d'attraction, c'est pareil. Ce n'est pas quelque chose qui va être visuel, mais c'est quelque chose qui fonctionne très, très, très bien et qu'on peut vraiment appliquer dans la vie de tous les jours. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a toujours les épaules basses, toujours la tête baissée, on en connaît tous dans le monde du travail ou dans la vie privée, ça ne va jamais, ils sont jamais bien de leur vie, tout va mal. Et bien, ces gens-là, on le remarque, comme ils disent, ils attirent la poisse. Et ce n'est pas parce qu'ils sont mal nés, c'est tout simplement parce qu'ils ont pris l'habitude de se mettre dans cette onde, comme je disais, comme une onde radio, ils ont pris l'habitude de se mettre dans cette onde négative et ils attirent à eux tous les malheurs de la Terre. Eh ben, c'est bien expliqué. Voilà. Alors c'est simplifié, hein, parce que je dis Oui, la oui. conférence, ça dure 2 heures et demie, donc. Voilà. Et ben justement, il y a Thierry qui dit comme ça. Michel, déjà, il te dit bonjour. Il te dit bonjour. Hein. Bonsoir, Michel. Ben, moi aussi, bonsoir. Loi d'attraction et pensée positive, est-ce la même chose? Oui. Alors oui, et oui, mais la loi d'attraction, ça va plus loin. Parce que comme je disais, mais ça se ressemble beaucoup. Quelqu'un qui est toujours positif n'est pas censé savoir qu'il pratique la loi de l'attraction. Et la loi de l'attraction, attention, c'est là où il y a la différence, c'est dans le positif comme dans le négatif. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, la loi de l'attraction, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. On le vit tous les jours. Et c'est ce que je viens de dire. Quand on est constamment négatif, on va attirer des ondes négatives. Et c'est ça aussi la loi de l'attraction. La loi de l'attraction n'est pas forcément que positive. Elle peut être moyenne, elle peut être positive, elle peut être négative. Et plus on va se mettre sur ces fameuses ondes positives, plus on va attirer du positif. Voilà. Est-ce que l'ignorance aussi peut pas faire en sorte que les choses se fassent ou aillent mieux? Parce qu'il y a une célèbre phrase qui dit comme ça, c'est parce qu'ils ne savaient pas qu'ils l'ont fait. Enfin, c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Alors, par rapport à l'ignorance, c'est-à-dire quelle ignorance Ben, ici? quand on veut gravir une montagne, par exemple, et on ne sait pas que c'est impossible à la gravir, et c'est pour ça qu'on arrive à la gravir. C'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Je ne sais plus de qui c'est cette phrase, mais elle est vraiment, pour moi, c'est quelque chose de vraiment très positif. Oui, alors, qu'est-ce qui est impossible et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ah Une oui. fois, il y a quelque chose, ben c'est là qui va faire sourire un peu tout le monde, mais ça aussi j'adore, c'est dans un stage de moine de tibétain, et il y a un gars un petit peu ironique qui pose une question au grand maître, et Oui. il lui dit, alors si j'ai vraiment, si je crois vraiment à tout un tas de choses, si je me dis que rien n'est impossible, et que je me coupe un doigt, ça veut dire que si j'y pense très fort, il peut repousser. Et le maître lui répond, est-ce que vous avez assez la foi pour croire qu'il peut repousser? Ah, ah oui, ça c'est sympa. Voilà. Alors ça veut dire quoi? C'est jusqu'où va notre foi pour accomplir de plus en plus de miracles. Alors on n'est pas là pour débattre si scientifiquement un doigt peut repousser ou pas, mais j'avais beaucoup aimé cette phrase parce que justement, je pense que par la loi d'attraction ou par la foi pour d'autres, eh bien, on peut obtenir beaucoup beaucoup de choses. Et croyez-moi, moi je voudrais vraiment dans cette émission de ce soir, comme dans la conférence que j'ai faite sur YouTube. Je vous assure, si je pouvais me mettre à genoux pour vous le dire, si vous voulez vraiment changer d'avis, votre vie, vous pouvez vraiment y arriver. Très franchement, ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, c'est gratuit. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas besoin de faire des formations sur la loi d'attraction. Il vous suffit vraiment. Je peux faire une petite parenthèse juste pour expliquer comment ça Bien fonctionne sûr, au bien mieux. sûr, bien sûr. Voilà. Pour moi, le plus important, c'est pas spécialement de lire des livres. C'est pas spécialement de regarder des conférences. Ce qui est important, c'est il n'y a pas de technique, parce que très souvent, je fais des entretiens particuliers, et très souvent, il y a des personnes qui me disent, mais c'est quoi la technique? Pour moi, il n'y en a qu'une technique. C'est du matin où vous vous levez, ou du soir où vous vous couchez, c'est de vous sentir protégé. Quand je dis protégé, bon, ça peut être par la foi, pour ceux qui ont la foi, mais ça peut être aussi par vous-même. C'est-à-dire, si vous vous dites tous les jours, quoi qu'il m'arrive, je sais, hein, moi j'ai vécu moi-même beaucoup, beaucoup de souffrances, c'est pour ça que j'en suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Mais si vous vous dites tous les jours, je sais que je suis protégé, quoi qu'il m'arrive, que ce soit un problème sentimental, financier ou professionnel ou peu importe, je sais que je suis protégé, eh bien votre vie va changer, ça ne peut pas être autrement. Est-ce que c'est une sorte de méthode Coué? Oui, je pense que c'est une façon, on n'a rien inventé, hein.
Moi, comme je dis, moi, je fais des conférences là-dessus. Alors, les conférences que je fais, c'est un peu différent parce que justement, je veux pas que les gens croient que il suffit de dire que. Et une fois, quand j'ai fait une conférence dans mes régions, il y a un gars qui était assez en avance dans la loi de l'attraction. Il me dit, je suis un peu choqué, Michel, parce que on dit qu'il faut dire je suis. Et moi, je dis non. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Quelqu'un qui est très malade, il peut pas dire je suis guéri. Par contre, il peut dire je suis sur la voie de la guérison, je vais aller de mieux en mieux. C'est pareil quand il y a des personnes qui ont des grosses factures à payer, de leur dire vous dites je suis riche et tout va s'améliorer, ça s'améliore pas. Parce que la personne, elle sera pas en accord avec ça. Elle va dire bon, mais c'est bien gentil, ils m'ont dit il fallait que je dise je suis riche ou je suis, voilà, peu importe. Donc l'importance des mots, oui, mais je pense que le plus important, c'est le ressenti. Il suffit pas de dire je suis. Je pense qu'il vaut mieux ressentir que cette situation, elle va durer 4 ans. Et qu'après, ça va aller en s'améliorant. C'est beaucoup plus doux comme méthode, plutôt que vraiment de forcer la chose en disant, ah ben aujourd'hui, je suis très pauvre, mais je suis riche. Ça, je me suis aperçu vraiment que ça fonctionnait pas. Et c'est là où un peu je diverge par rapport aux livres qu'on peut lire et aux autres conférences qu'on peut entendre. Après, bon, voilà, Après, moi, c'est mon avis. ça peut être un petit peu commercial, on va dire, hein, aussi. Exactement, c'est commercial, mais souvent les gens sont très déçus. Mais oui, parce que ça fonctionne pas. Voilà, Et c'est pour ça qu'on a, pourtant, on a sauf s'il y a des des. personnes qui ont vraiment la foi pour dire si un je suis, ça leur suffit, il y a des personnes qui y arrivent très bien. Hein. Oui, mais ça dépend aussi de la gravité de l'expérience qu'ils sont en train de Bien vivre. sûr, mais ce n'est pas la majorité aussi des personnes. Hein. Voilà, parce que. Imaginons comme tu disais tout à l'heure, qu'on a le cancer, on peut pas dire je suis guéri. Exactement. Mais Non, pourtant, parce que c'est ce qu'on va lire. Tu sais, voilà. par rapport à ça, il y a aussi quelque chose que j'explique beaucoup quand je fais les conférences, par rapport à la souffrance. Il y a très souvent des personnes qui me disent, oui, mais Michel, moi j'ai vécu telle souffrance, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Oui, c'est vrai, mais encore une fois, ce que je leur dis, cette souffrance, vous allez en faire quoi? Est-ce que vous allez vous apitoyer toute votre vie sur votre sort en disant, eh ben j'ai vécu ça, c'est très douloureux, c'est très difficile. Croyez-moi, je n'ai pas été là de ma vie ici, mais moi j'ai vécu aussi des souffrances très difficiles, mais je les ai surmontées. Si je les ai surmontées, ce n'est pas parce que je suis plus fort que qui que ce soit. Si moi je les ai surmontées, tout le monde peut les surmonter. Et là, je reste modeste là-dessus parce que c'est tout à fait vrai. Mais si vous me dites, ouais, mais moi ce que j'ai vécu, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus ça, peut-être, mais vous allez en faire quoi de cette souffrance? Vous apitoyez ou essayez de remonter la pente? C'est là où je veux en venir. On peut Eh avoir oui. vécu des souffrances très difficiles, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette souffrance? D'accord. Océane, et puis il y a tellement de coachs qui font de la pub. Alors, ce qui fait que, en fait, les gens s'interrogent, en fait. Alors, là aussi, elle m'a porté de l'eau à mon moulin. Je me suis un petit peu pris de bec avec un coach. Tant pis, hein, s'il écoute, c'est pas grave. Où j'étais effaré des prix que ces personnes prennent. J'ai vu du coaching où il y a une personne qui proposait 10 000 euros pour 9 mois de coaching, 6 mois de coaching. J'étais complètement effaré. Donc j'ai appelé, j'ai dit ben, je comprends pas. Enfin, c'est plutôt elle qui m'a appelé, pardon, là je mens. C'est pas volontaire. C'est plutôt cette personne qui m'a appelé en me disant comment vous faites? Vous faites des entretiens à 45 euros. Et j'ai dit ouais, mais attendez, moi j'ai appris que vous preniez jusqu'à 10 000 euros. J'ai dit pour moi, c'est pas concevable. Alors après, j'ai pas critiqué la personne. J'ai dit vous avez vos façons de fonctionner et moi j'ai la mienne. Et elle m'a dit non, mais là je faisais des remises de 6 000 euros. Qui peut. Peut mettre 6 000 euros pour du coaching. Enfin, je ne sais pas ce que les gens pensent, mais alors, si, il y aura toujours, parce que je sais que son cabinet est plein de monde, hein, mais moi, ce que je veux, c'est toucher des personnes. Et ben, il y a des personnes qui ne peuvent pas être aidées. Il y a des personnes, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on n'a pas le droit d'être aidé. Voilà. Et elle a raison quand on dit qu'il y a beaucoup de coachs de tous les domaines. Encore une fois, il y a de la place pour tout le monde, mais chacun. Des personnes doivent être capables de faire la différence, d'aller là où ça lui plaît, voilà, il n'y a pas d'obligation. Mais c'est ça, tu sais, il y a un moment où je critiquais beaucoup les personnes qui prenaient des sommes horribles, mais en fait, ils ont les gens qu'ils ont envie d'avoir. C'est-à-dire que, si, imaginons que quelqu'un prenne 200, 300, 400 euros pour une consultation, admettons, comme tu l'as dit tout à l'heure, ben je pense qu'il y aura une clientèle pour ces sommes-là. C'est ça. Et ce n'est pas parce que ce sera une somme exorbitante que le service sera meilleur.
Exactement. Voilà, donc c'est à la limite, les gens vont venir parce que bah, ils ont envie de payer cette somme, tout simplement, C'est ça. et je pense Pour eux, que ça bah, sera un gage de choses mieux que les autres. Alors, voilà, c'est ils auront l'impression d'acheter quelque chose de plus concret, de plus de meilleure qualité, alors qu'en fait, non, mais ça les regarde, en fait. Et la personne aussi a raison, parce que c'est vrai que des coachs, il y en a de partout. Oui. C'est un petit peu, et là, Jeff, je ne pense pas que tu vas me dire le contraire. C'est pour ça que je te disais que je prépare aussi une conférence sur la médiumnité, des choses comme ça. Tout le monde maintenant se dit médium, tout le monde se dit, bon, je sais que là, je m'adresse à la bonne personne, mais tu es d'accord avec moi que tout le monde n'est pas médium. Mais c'est clair, c'est Voilà, clair. mais ça, c'est un peu comme la loi d'attraction, c'est un peu comme le coaching, et bien tout le monde est médium maintenant. Moi, j'ai l'impression, normalement, quand je parle avec des gens, ils sont tous médiums. Alors, à un moment donné, je dis, il faut arrêter, la médiumnité, c'est pas ça. C'est pas parce qu'on va faire les cartes qu'on est forcément médium. Et puis, il y a des personnes, voilà, c'est pas parce qu'on va faire de l'astrologie qu'on est forcément médium. Maintenant, Exactement. voilà, tu es d'accord avec moi là-dessus. Mais j'ai une conférence qui j'ai une conférence là-dessus. Voilà. En fait, les gens ne font pas forcément la différence entre la médiumnité, la voyance, la cartomancie. C'est ça. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est que chaque spécificité a son nom, en fait. Oui, mais voilà, c'est des petits accrocheurs et je suis d'accord que la loi d'attraction aussi. Moi, dans ma région, c'est pas du tout prétentieux ce que je vais dire. Au début, quand je faisais des conférences, j'étais le seul. Et au bout d'un an, mais je suis dans la Loire, hein, les conférences sur la loi de l'attraction ont fleuri. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit, ben Michel, oui, mais on est allé à la tienne, on a vu qu'il y avait des gens qui venaient à la tienne qui après ont voulu en faire. Bon, enfin, comme je dis, ben, il y a de la place pour tout le monde. OK, mais ça prouve bien que parfois il y a un effet de mode, et il y a des personnes qui sortent sur la vague, comme on dit. Et c'est normal en même temps. Oui, c'est normal, puisque je dis, Quand bon, ça après, marche, bah, si tout le la monde a envie. personne n'arnaque pas les autres, moi ça me va. Voilà. Hein. Mais faut pas qu'il y ait de choses mercantiles, on va dire. Voilà, faut pas que ça devienne comment dire ça, de l'arnaque, en fait, en quelque sorte. Exactement. Voilà. Donc là, en fait, on continue avec des questions. Donc ce sera une question. Ah, d'Océane, c'est sympa. Elle parle d'aimant. Donc c'est un système d'aimant. On attire ce que l'on est ou on attire ce que l'on pense, en fait. Alors, je vais faire un jeu de mots aimant dans les deux sens. Aimant, oui, tout à fait, hein. Oui, mais dans les deux sens. Oui, oui, Parce oui, que oui, j'ai bien plus on aime compris. aussi, et plus on va attirer des gens qui nous aiment. C'est clair. Alors attention, je dis bien aimer. Pas encore une fois, là aussi, je suis désolé de faire rapport à la conférence que je fais, mais c'est comme quand il y a des gens qui me disent, mais moi j'aime, et puis j'ai rien en retour. Ça, c'est aimer pour être aimé. Ça, c'est complètement différent. Il Oui. faut aimer, comme on dit, sans rien attendre en retour. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc oui, elle a raison, c'est comme des aimants. Et plus vous avez de l'amour à donner, plus vous allez en recevoir. Mais attention, ça j'insiste là-dessus, pas forcément par les personnes que vous attendez. Ça, c'est ce que je dis souvent. Il y a des personnes parfois qui sont très déçues, qui me disent, ouais, mais tu te rends compte, moi j'ai donné ça à ma soeur, j'ai donné ça à mon fils, à ma fille, à mon père, à ma mère, et j'ai rien en retour. J'ai dit, oui, mais c'est normal. Ça veut dire que si vous donnez 50, il faut vous donner 100, il faut qu'on vous rende 100. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bah Très non. souvent, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec ça, qui vont vous rendre de la joie et du bonheur. Eh oui. C'est normal. Alors, il y a Catamaran qui revient. Alors, c'est pour moi la force de la pensée positive. Et elle rajoute, et puis il y a tellement de coachs qui. Non, c'est pour moi la force de la pensée positive, tout simplement. La pensée est une force invisible. Oui, bien sûr, on peut attirer le négatif, c'est selon notre état d'esprit. Voilà. Voilà ce Je qu'elle suis dit. d'accord, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, oui, je suis bien Voilà. d'accord. Alors, Cathy, c'est comme une femme qui veut être enceinte et qui n'y arrive pas. C'est quand elle arrête de s'acharner qu'elle va y arriver. Cette question est très intéressante. Parce que tout à l'heure, j'ai oublié de dire, enfin, c'est pas que j'ai oublié, mais on n'était pas venu là-dessus. Il y a beaucoup de gens aussi par rapport à la loi de l'attraction. Il y a un point qui n'est pas dit dans les livres et qui est rarement dit aussi. C'est qu'en fait, on réussit, la loi de l'attraction fonctionne si celle-ci est en alignement avec notre chemin de vie. Et là, je vais expliquer pourquoi, ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il y a des personnes qui me disent, ouais, mais moi, par exemple, je suis positif, je veux gagner au loto. Tout ça, j'ai fait le fameux loto que tout le monde veut gagner.
Et souvent, je réponds à ces Mais personnes. il y a des salons pour ça, les salons Oui, de l'auto. mais alors, je leur réponds, non, non, mais de l'auto, de l'argent. Hein. Oui, non, j'avais compris. Si, j'ai compris. Donc, c'est ce que je leur dis, attention, si ce n'est pas en alignement avec vos chemins de vie, eh ben, soit peut-être que vous gagnerez, mais vous allez vous détruire. Ça fait partie des gens, ben, à la limite, en endroit, hein, qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à gérer cet argent, ou ils se le font voler. Soit vous ne gagnerez jamais au loto. Parce qu'il faut que ça soit en harmonie, que ça soit en alignement avec nos chemins de vie. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est comme quelqu'un, si tout le monde voulait être président de la République, je ne le souhaite pas, mais même celui qui en a les capacités, eh ben, il ne le sera peut-être jamais parce que ça ne sera pas en alignement avec son chemin de vie. Ça, c'est quand même, je trouve, important et je pense que ça devrait être un peu plus dit. Oui. Le chemin de vie, c'est très, très, très important. Et comment on sait qu'on est sur le chemin de vie? J'anticipe les questions. C'est quand on se sent bien et quand on est sur ce chemin de vie, eh bien, tout s'ouvre. Ça s'ouvre beaucoup, beaucoup plus vite que si on ne l'est pas, justement. Et Plutôt que de forcer les ben, choses. ça me fait rebondir sur ce que tu dis. J'ai envie de rebondir là-dessus en te demandant si on peut lier le karma à la loi de l'attraction. Ah, ben ça, j'aime bien parce que chaque fois, on me la pose. Cette question. Eh ben Alors, voilà. le karma, c'est quelque chose justement qui est fait pour être aboli. C'est pas normal de vivre son karma jusqu'à la fin de sa vie, sauf si on l'a pas compris. On est bien d'accord là-dessus, c'est-à-dire, je prends un exemple. En admettant que ça, alors là, on touche des croyances. T'es d'accord avec moi? Ah oui, J'ai tout à dit fait. karma, ça veut dire qu'on a vécu des vies antérieures. Tout le monde n'adhère pas. Mais pour ceux qui y croient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez que dans une vie antérieure, vous étiez quelqu'un de très radin, qui s'occupait pas des autres, de très égoïste, et que dans cette vie-là, c'est tout à fait l'inverse. Vous êtes quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui donnait tout. Et ben, c'est pas normal de subir votre karma jusqu'à la fin de votre vie. Ça, c'est pas normal. Oui. Donc, la loi d'attraction peut vous amener justement à vous rendre compte de qui vous êtes. Et là, le karma s'efface. Donc, karma et loi d'attraction, ça peut être lié, mais la loi d'attraction, justement, va vous aider à supprimer ces anciens karmas. Le karma, ce n'est pas quelque chose qu'on va vivre toute sa vie. Quand on l'a compris, il n'y a plus de raison de le vivre. Donc en fait, il faut équilibrer quoi entre le karma négatif et le karma positif. Oui, c'est ça, oui. C'est un peu ça, hein, en Mais le quelque karma sorte. négatif, pour moi, n'est pas fait pour être vécu toute sa vie. Sauf si on se bute là-dedans, si on n'essaye pas de changer. Il faut vouloir changer sa vie aussi. Hein. Il y a des personnes qui restent enfoncées dans leur vie de tous les jours et qui n'ont pas envie d'en sortir. Hein. Moi, je connais des personnes qui sont très, très négatives. Je sais que, de toute façon, enfin, je ne leur parle même pas de la loi d'attraction parce que ça ne les intéresse même pas. Parce qu'elles aiment qu'on les plaigne, elles aiment qu'on s'occupe d'elles. Et voilà, et au bout d'un moment, ben, ces personnes mettront des années à comprendre, ou jamais. Ah oui. Elles se Alors, gâchent leur vie. j'ai pas compris ce que tu as dit. Elles se gâchent leur vie Et c'est parce que clair. justement, elles ne veulent pas voir le côté lumineux de la vie. C'est clair. Mais oui, comme tu dis que en fait, on est sur Terre pour résoudre un problème de mathématiques auquel on doit trouver une solution, en fait, de façon à ce que notre karma, pardon, soit dissous en quelque sorte. Alors ça, c'est par rapport à ta question sur le karma. Oui. Après, s'il y a des personnes qui ne croient pas au karma, c'est pas pour ça qu'on n'est pas obligé de croire à la loi de l'attraction. Je veux dire, là, j'ai répondu à ta question sur le karma. Par contre, on n'est pas obligé de croire au karma pour vivre pleinement dans la loi de l'attraction. Ah, c'est clair, La c'est loi d'attraction, même si c'est, comme je disais, en alignement avec notre chemin de vie, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de profiter de toutes ces joies. Ça peut dire, c'est ce que je dis dans la conférence, ça peut aller du petit miracle comme de trouver une place de parking chaque fois qu'on arrive en ville, comme de trouver l'âme sœur, comme d'améliorer sa vie sentimentale, d'améliorer sa santé, d'améliorer sa vie professionnelle et financière. Tout ça peut grandement y aider. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va être milliardaire, gagner au loto, comme je le disais tout à l'heure, ou être PDG d'une entreprise, si ce n'est pas son chemin de vie. C'est là où je veux en venir. Mais ce n'est pas pour ça que la loi d'attraction ne va pas servir. C'est clair. L'attraction va vous rendre beaucoup plus heureux que vous ne l'êtes. Mais il y a une autre façon pour trouver les places de parking. Moi, je demande à Saint-Expédite. Alors moi, j'en trouve tout le temps. C'est pas très Saint-Expédite, pratique, hein. est-ce que je peux Mais trouver une justement, place? parce que je ne me pose pas la question. En fait, la loi d'attraction, c'est ça, c'est quand tu te dis, je sais que je vais en trouver une, tu en trouves une. C'est clair. Et franchement, ça marche. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je passe juste par Saint-Expédite. Je demande à Saint-Expédite que vous pouvez me trouver une place. Et hop, et ça marche. Oui, parce que tu as la foi que ça va marcher, ça marche. Voilà, c'est une autre façon en fait. Hein. Est-ce Oui, que ben bien sûr, je mais dirais. c'est ce que je dis, chacun sa façon. On me pose souvent la question aussi entre la loi d'attraction et la foi.
Moi, je dis, si ça vous aide de prier Dieu, de prier Jésus, la Vierge, c'est pas incompatible. Pourquoi on n'aurait pas le droit? La loi d'attraction, justement, ça a ce côté bien, c'est que on n'est pas limité. On a le droit de croire que c'est l'énergie cosmique, que c'est notre propre énergie, ou que c'est aussi une aide qu'on peut avoir à l'extérieur par, voilà, par des entités supérieures, par des guides. Moi, pour mon point personnel, je crois aux deux. Ben Donc, oui. et ça ne me déroute pas, je ne trouve pas ça incompatible. D'accord. Alors, Katabaran, oui, c'est exact. Jeff, la peur n'évite pas le danger et être conscient des dangers peut être bloquant. Là aussi, en fait, ça peut être une énergie bloquante. Ça peut créer l'inverse, en fait. C'est ce qu'elle est en train d'essayer d'expliquer, Katabaran, là. Oui, Katamaran, elle a raison, parce que il ne faut pas avoir peur de tout. En fait, encore une fois, ce qui est important, c'est son ressenti intérieur. Je prends un exemple. En admettant, moi, j'ai beaucoup de personnes en entretien, par exemple, des personnes qui ne sont pas avec la bonne personne et elles ont peur de se retrouver seules. D'accord? Donc, cette peur-là va les bloquer. Elles vont les bloquer. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de se séparer d'une personne avec qui on vit, mais moi, je vois beaucoup de personnes qui sont enfermées là-dedans. Eh ben, elles préfèrent, comme on dit, être mal accompagnées plutôt que de vivre heureuses. Donc là, la peur peut les bloquer. Mais il y a des gens qui surmontent cette peur et puis qu'après, alors j'ai pris ce domaine, mais ça peut être n'importe quel autre domaine, ça peut être professionnel. Il y a des gens ben, qui préfèrent, comme on dit, garder leur travail et que se lancer dans une aventure. Et je le comprends tout à fait. Il ne faut pas confondre la peur et la raison aussi. Hein. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas un sou, qui a un boulot, qui se dit, allez, je veux faire complètement autre chose et qui se lance à l'aventure, peut-être qu'il va réussir, tant mieux. Mais s'il a une famille à nourrir, il faut peut-être mieux voir d'autres solutions. C'est pas pour D'accord. ça qu'il faut pas se lancer. Il faut peut-être cumuler deux choses à la fois. Après, on peut en discuter. Mais la peur peut être bloquante, mais la peur, elle est aussi utile. Hein. Si on n'avait pas peur, on serait tous morts. Il y aurait beaucoup d'accidents, je pense. Hein. Voilà. D'ailleurs, sur ces belles paroles, on va se quitter quelques minutes, le temps d'écouter une chanson de Christophe Willem. Après toi. Et on se retrouve de suite après. Hein. Tu raccroches pas. Ok, d'accord. Bienvenue sur ltu-radio.fr dans votre émission Au cœur du temps. Émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, donc rendez-vous mardi prochain à partir de 19h30 pour l'émission Au cœur du temps. Donc, si vous voulez vous inscrire, ltu-radio.fr, rubrique inscription. On retrouve Michel Guénier pour la loi de l'attraction. Alors, Michel, il y a pas mal de questions dans le chat et moi-même, j'ai préparé une feuille dont je n'ai même pas posé une seule question encore. Moi j'ai le temps, alors vas-y. Hein. Non, mais il faut qu'on finisse au pire à 22h30. Donc, D'accord, il n'y a pas de souci. voilà, parce que, sinon après, ça cale pas dans les rediffs. Alors, il y a ma catamarane, encore, elle participe beaucoup. Hein. J'ai essayé en me disant, j'ai un bon job bien payé. Ben, j'ai galéré avant de trouver un mi-temps sans le salaire espéré. Voilà. Donc elle dit que, en fait, il faut demander ce qui est raisonnable. En reprenant les autres phrases qu'elle a écrites, il faut que cela soit cohérent et possible, dit-elle. Alors, ça, c'est ce que j'appelle. Alors, là aussi, je ne veux pas aller contre ce qu'elle dit. Bon, bons auditeurs, ils ont raison sur beaucoup de choses. Mais ça, c'est ce que j'appelle se limiter. Et par rapport à la loi d'attraction, on n'est pas obligé de se limiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est encore une fois ces vieux dictons. Vous avez tous entendu, on vous l'a dit quand vous étiez petit, quand vous avez grandi, que dans la vie, on ne pouvait pas tout avoir, que l'argent n'allait qu'aux riches, que dans la vie, il faut en baver pour réussir. Si elle est vraiment en harmonie avec ce qu'elle fait, qu'elle a vraiment de la joie de vivre et qu'elle se sent, comme je disais tout à l'heure, sur son chemin de vie, tant mieux.
Par contre, si cette souffrance-là par rapport aux finances, ça la chagrine un petit peu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore solutionné. Donc pour moi, elle a le droit, je veux dire, elle a changé son travail, c'est très bien, mais ce n'est pas parce que à cause de ce travail, elle a moins de salaire que ce salaire, elle ne peut pas le retrouver ailleurs. D'accord. Et justement, ça veut dire ça, s'ouvrir. Ça veut dire ne pas se limiter, parce qu'on est trop conditionné. On nous dit vraiment, oui, mais là, fais attention, parce que si tu fais 80%, eh ben, tu vas perdre de l'argent. Et nous, dans notre tête, on se conditionne. Alors les gens, ils vont me dire, ben oui, mais Michel, c'est vrai, regarde, je travaille à mi-temps, donc je gagne la moitié moins. Oui, mais ça, c'est le conditionnement. Il y aura peut-être une autre solution pour gagner ailleurs le complément. Et c'est là où intervient la loi d'attraction, c'est que il faut faire attention à toutes ces phrases qui nous ont fait du mal et tout ce conditionnement qui nous ont fait du mal depuis des années. Parce qu'on nous dit, regarde, je ne sais pas si tout le monde connaît cette histoire, je vais la dire très rapidement, du gars qui voulait une Ferrari. Je ne sais Oui. pas si beaucoup de gens la connaissent. Alors, c'est un gars, ça faisait des années qu'il rêvait d'avoir une Ferrari. Et puis, il se disait, bah, de toute façon, pour avoir une Ferrari, à part gagner au loto, encore le loto, je ne vois pas comment je peux faire. Et puis un jour, il y a un voisin qui est venu s'installer à côté de chez lui, qui était dentiste, et le comble, il avait la Ferrari des rêves du gars. Et puis ce gars, donc, avait lu par la loi d'attraction qu'il suffisait, encore une fois, entre guillemets, de prendre une photo et de marquer que, voilà, que cette Ferrari, il l'aurait. Donc le gars, il l'a fait, il a vraiment été convaincu, il s'est dit, il n'y a pas de raison, un jour, j'aurai cette Ferrari, par contre, ce ne sera peut-être pas forcément gagnant au loto. Elle est célèbre, hein, cette histoire. Oui. Et donc, il a fait ami-ami avec le dentiste. Au départ, ça lui faisait envie, mais après, ils ont fait ami-ami. Et un jour, le dentiste est parti travailler à l'étranger et il lui a vendu sa Ferrari pour une bouchée de pain. Donc, ça, c'est vraiment important ce que je dis, parce que parfois, on croit que les choses doivent se passer de telle façon, mais encore une fois, la loi d'attraction va vous les amener autrement. Mais Et ça, c'est vraiment important. même si on n'a pas peut-être pas la Ferrari, mais on peut avoir quelque chose qui ressemble à une Ferrari, mais plus petit peut-être. Peut-être aussi. Y a un proverbe qui dit comme ça qu'il faut viser la lune, et puis si on rate la lune, on a une grande chance d'atteindre les étoiles. Oui, mais tu vois, lui, c'était vraiment son désir le plus profond, et il a eu sa Ferrari, Mais malgré oui, tout, une Ferrari. mais C'est oui, un exemple, hein, mais tout à c'est quand fait. même une histoire que j'aime bien. Oui, c'est pas la première fois que je l'entends en plus. Alors, Candoliane, comment attirer la loi d'attraction positive sur une personne handicapée mentale? Alors, déjà, vous ne pouvez pas attirer la loi d'attraction pour quelqu'un d'autre. On me pose souvent cette question. En fait, vous pouvez éventuellement faire que la personne change si vous vous changez aussi. Mais si un handicapé mental, bah déjà, est-ce que l'handicapé mental est vraiment malheureux? Parce que moi, c'est pareil, j'ai connu des personnes handicapées mentales, elles n'étaient pas spécialement malheureuses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais elles ont Et toujours connu cette que ça. personne-là qui pose la question, bah, elle a certainement un très grand cœur, et je comprends, et c'est tout à son honneur de vouloir faire ça, mais ce qui est important déjà, c'est que, alors, il faudrait qu'on sache un peu mieux, mais est-ce que c'est quelqu'un qui vit avec l'handicapé mental? C'est sûr que si cette personne vit avec l'handicapé mental, c'est difficile, mais si elle se montre positive, elle à son tour, eh bien, même un handicapé mental va voir la positivité de la personne. Par contre, si c'est quelqu'un qui est très triste, etc., eh bien, ça va affecter la personne qui est à côté. Mais par contre, vous ne pouvez pas mettre la loi d'attraction sur quelqu'un d'autre. Vous D'accord. voyez la différence. Par Tout à votre fait. comportement, les gens peuvent changer, mais vous ne pouvez pas changer les autres par la loi d'attraction. Et si on parle un petit peu de mécanique de pensée positive, est-ce que le fait d'avoir une pensée positive ou avoir envie d'acquérir quelque chose, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas créer des espèces de pensées, donc de la pensée positive, et par là même créer des égrégores Oui, qui. bien sûr, bien sûr. Je suis Est-ce que. d'accord avec toi. C'est sûr. Et c'est sûr que si on est dans une salle de 50 personnes et qu'il y a 50 personnes qui se mettent à rire, on va tous avoir envie de rire. Sauf la personne qui est vraiment fermée, qui elle, voilà, va faire passer encore tous ses malheurs avant les autres. Mais je suis tout à fait d'accord. Comme on disait, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, mais si tout le monde avait des pensées d'amour, eh ben, le monde ne serait pas ce qu'il est, hein. Je suis tout à fait d'accord. Mais justement, ça conforte un peu ce que je viens de dire, c'est que même si tu es avec quelqu'un qui vit des choses très difficiles, si toi, tu es positif, positive, et eh ben ça va nettement mieux aller. Tu sais, c'est pareil par rapport aux enfants. Là, il y a un petit flash par rapport à ça. C'est que très souvent, on me dit comment élever les enfants le mieux. Est-ce qu'il faut être autoritaire? Est-ce qu'il faut être laxiste? Est-ce qu'il faut donner des fessées, des choses comme ça? Moi, je réponds toujours, la meilleure façon d'élever un enfant, c'est d'être positif.
Si l'enfant, vous lui apprenez que dès que vous avez une facture, dès qu'au travail ça ne va pas, c'est un drame, et bien l'enfant qui copie très très souvent les parents, même s'il a sa personnalité, et bien pour lui, il va grandir en disant oh, « Moi j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère, dès qu'il y avait une facture, c'était un drame. » Donc il va cultiver ça. Par contre, si vous apprenez à l'enfant par votre comportement que même une rupture amoureuse, bah, limite, ce n'est pas très grave, même un ennui au travail, ce n'est pas trop grave, on le surmonte facilement, eh bien, l'enfant va être beaucoup, beaucoup plus fort parce qu'il va se dire « Ah bah tiens, je vis ça, mais je me rappelle que mes parents, ils avaient vécu ça à leur tour et finalement, ce n'était pas grave. » C'est vraiment important ce que je vous dis. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants, justement, qui vont être très touchés parce qu'ils auront l'impression de vivre la douleur de leurs parents. D'accord. Mais les personnes qui sont pas, qui ne connaissent pas ça, en fait, bah, ils vont passer simplement sur leur chemin de vie et sans pouvoir améliorer. Ou alors, peut-être que c'était simplement pas, ça faisait pas partie de leur mission, en quelque sorte, de progresser par la loi de l'attraction. Oui, mais moi, ça ne me gêne pas que les gens ne connaissent pas la loi de l'attraction. Avant, on n'en parlait pas. C'est comme disait la personne tout à l'heure, c'est assez récent. Maintenant, on sort sur une vague, c'est sinon la loi de l'attraction. Mais moi, comme je dis, ça fait 35 ans que j'aide des personnes, mais avant, je ne savais pas du tout que je faisais ça par la loi de l'attraction. Moi, j'y mettais d'autres mots. Je disais, ben, j'aide des gens par amour, des choses comme ça, ils donnent des conseils, par des ressentis. Mais même si les gens ne savent pas que c'est la loi de l'attraction, c'est quoi qui est important dans la vie? C'est d'être aimant, c'est d'être bien. Moi, je connais des personnes qui ne connaissent pas un mot de la loi d'attraction, mais qui sont toujours joyeuses, qui apportent de la joie, qui apportent de l'amour. Et moi, ça, ça prime par-dessus tout. À la limite, ce n'est pas important que ces personnes ne connaissent pas la loi d'attraction. Si ces personnes sont bien dans leur peau et qu'elles amènent de l'amour, comme là, voilà, je vais aller loin, mais une sœur Thérésa, une sœur Emmanuel, un abbé Pierre, je ne pense pas qu'eux, ils employaient le mot loi d'attraction. Et ils ont fait des choses où peu de gens leur arrivent à la cheville. Oui. Tiens, il y a un camarade qui pose la question, que penses-tu des bonhommes allumettes? J'en ai vaguement entendu parler, mais là j'avoue que je ne connais pas trop. Ah, c'est... Oh, je ne sais plus comment il s'appelle, le monsieur qui a écrit le bouquin là, les bonhommes allumettes, je ne me rappelle plus. Moi, pour répondre à un camarade, moi je respecte tout. C'est-à-dire que c'est comme la méthode Ho'oponopono, c'est comme la méthode, alors il y en a, au lieu de la loi d'attraction, ils appellent ça le transurfing. Les accords Toltec voilà, aussi. Moi, je respecte tout, si ça marche, s'il y a des personnes, du moment que vous n'investissez pas des fortunes là-dedans, si ça fonctionne, faites-le. C'est ça qui est important. Comme je disais tout à l'heure, alors, par contre, le seul petit truc où je ne serais pas tout à fait d'accord, c'est si vous prenez ce qu'on appelle un talisman, un gris-gris, parce que le jour où vous le perdez, vous avez l'impression que vous n'aurez plus de chance. Mais s'il y a des choses, des techniques qui vous amènent la joie de vivre, ben, pourquoi, je veux dire, on n'est pas obligé de faire la loi d'attraction pour être heureux, c'est ce que je disais. Si l'histoire avec le petit bonhomme, les allumettes, et ben, ça vous apporte toute la joie que vous avez envie, pourquoi ne pas le faire? Oui, je suis en train de voir si quelqu'un a mis le nom de... Jacques Martel, voilà. J'étais sûr qu'il y avait quelqu'un qui avait mis le nom. Voilà, c'est Jacques Martel qui fait des conférences également dans un petit peu dans toute la France, et notamment avec mon ami Nicolas Dubois, qui habite du côté de Rennes, qui le fait passer régulièrement en Bretagne. Voilà. Encore une fois, c'est personne dans la science infuse. Je veux dire, du moment qu'il y a une méthode, du moment qu'il y a une technique qui peut apporter du bonheur aux gens, pourquoi dire « Ah ben non, la mienne est meilleure ?» Non, non, non. Du moment qu'on fait du bien autour de soi, eh bien, c'est ça qui est bien. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Il y a Alain, perso, je n'attends rien de personne. Ma joie et mon bonheur, c'est d'avoir retrouvé mon fils. Et depuis que je positive, tout va mieux. Ben, il a raison. Il faut continuer. Voilà. Par contre, quand il dit « je n'attends rien de personne », ça aussi, ça me vient un petit truc... très souvent, il y a des personnes, je vais rebondir là-dessus, hein, Laurence. Oui, pas de problème. Il y a très souvent des personnes qui me disent, moi, dans la vie, de toute façon, on est seul. Moi, j'ai eu des problèmes, je ne parle pas pour moi. Hein. Il y a des gens qui disent, moi, quand j'ai des problèmes, de toute façon, dans la vie, quand tu es dans la personne ne t'aide, ben, c'est complètement faux. Parce que moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu des problèmes importants. J'ai toujours trouvé quelqu'un sur ma route pour m'aider. Et comme je disais dans les conférences, je peux vous prouver tout de suite que vous avez toujours besoin des autres. C'est que vous avez une voiture, vous avez des vêtements, vous allez au travail, c'est pas vous qui avez construit la voiture, c'est pas vous qui avez construit les vêtements. Quand vous allez acheter du pain, c'est votre boulanger qui a fait le pain. Ça paraît simpliste ce que je dis, mais en fait, c'est l'inverse. On a toujours besoin des autres. C'est vrai, c'est réellement vrai. Voilà. Ah oui, moi j'avais une question. Est-ce que la loi de l'attraction a quelque chose à voir avec notre taux vibratoire? Alors, développe.
Parce que si c'est peut-être un peu ce qu'on a Alors, dit est-ce que tout à si l'heure. on est dans des hautes vibrations, on a des chances que les choses bien nous arrivent? Est-ce que si on est dans de basses vibrations, est-ce qu'on a des chances à contrario, que de mauvaises choses nous arrivent? Oui, ça ressemble un petit peu à cette histoire d'onde que j'ai dit tout à l'heure. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'il ne faut pas se poser toutes ces questions. En fait, c'est vrai, hein, pour moi, la loi d'attraction, c'est plein de questions en moi. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas se torturer l'esprit en disant, est-ce que je fais bien la loi d'attraction? Parfois, il y a des personnes que j'ai en entretien qui me disent, ah ben moi, Michel, j'ai fait la loi d'attraction pendant 2 mois, 3 mois, et puis j'ai arrêté parce que ça ne servait à rien. J'ai dit, non, mais vous trompez complètement. Vous n'avez pas fait la loi d'attraction. Vous vivez dedans tous les jours. Et comme on disait tout à l'heure, oui, tu as raison, c'est une histoire de vibration. Si on est bien, on va attirer des bonnes choses. Si on n'est pas bien, on va attirer des mauvaises choses. Et puis parfois, on est bien et il y a des jours, et ben, ça se passe moins bien. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est le fond intérieur. Moi, je suis comme tout le monde, je suis un être humain, je ne suis pas un extraterrestre. Hein, mais parfois, ben, dans ma vie de tous les jours, ben, il y a des moments où j'ai des petites contrariétés. Mais j'ai toujours un fond positif où je me dis, cette contrariété, ce n'est pas grave parce que je sais que de toute façon. Alors, c'est pas prétentieux non plus, hein. Je suis protégé, comme je disais, moi je crois au guide, je crois à tout un tas de choses, et je me dis de toute façon, c'est pas grave, on va t'aider, je vais m'aider aussi, et de ce fait, c'est jamais grave. D'accord. Je suppose que tu as lu le livre Le Secret. Oui, j'ai lu le livre Le Et Secret, j'ai vu la voilà. vidéo, Je voulais. Bah oui, parce qu'il y a le film c'est. aussi. Alors, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai aussi tous les livres de la loi d'attraction de Jerry Esther Hicks. Par contre, c'est ce que le petit reproche, encore une fois, c'est qu'on nous montre trop que c'est trop facile. Encore une fois, je pense que c'est, je ne veux pas faire le maître, hein, mais il devrait insister aussi sur le fait de pourquoi ça ne fonctionne pas de temps en temps. Et le secret, c'est vrai que c'est un petit peu, pour tous ceux qui l'ont vu, ils vont retrouver ce que je vais dire, c'est-à-dire qu'on nous dit un peu, ben, il suffit de penser de et ça marche. Et comme on vient de le voir, ça ne marche pas systématiquement. Voilà, ça se matérialise en quelque sorte. Voilà, moi j'ai lu aussi, j'ai vu le film aussi, et je pense un petit peu comme Moi, toi j'ai aussi. bien aimé, hein, Ah ouais, c'est c'est très bien. beau, Hein. c'est beau, voilà. Il ne faut pas croire que les gens ne peuvent pas, c'est ce que je dis toujours. Tout le monde peut nager. Quand on saute tous dans une piscine, eh bien, tout le monde peut nager, mais il y en a qui nageront plus ou moins bien que d'autres, il y en a qui mettront plus de temps, mais on a tous les facultés d'être dans la voie de l'attraction. Voilà. Alors, Yaminou qui est venu me voir, là, il a fait le tour de mon épaule et il est redescendu. Et comment et pourquoi tirer les choses à soi? Bah pour mieux vivre. Ben oui, mais est-ce qu'on peut ne pas le faire, mais en conscience? C'est à ça que je voulais arriver en fait. C'est-à-dire, Alors, pour mieux. moi j'ai l'esprit un petit peu rotor. Hein. Non, non, mais moi j'aime bien les questions. Voilà. En fait, quelqu'un qui se dit, bah, je dois passer par ces difficultés-là, bon, je sais que je peux, en demandant, faire en sorte que les choses aillent mieux, mais est-ce que je peux ne rien demander et passer à travers les épreuves en fait qui me sont réservées en quelque sorte? Alors, les difficultés, les souffrances, alors, pour moi, c'est utile. C'est ce que je dis toujours, la souffrance est utile à condition de ne pas en faire son allié. La souffrance, c'est une expérience. Quelqu'un qui n'a pas de souffrance, qui vit comme ça, à la limite, enfin, déjà, c'est guère possible. Mais je connais quand même des personnes, alors je connais des personnes qui ont vécu très, très, très peu de problèmes dans leur vie. Mais malheureusement, je vais dire malheureusement, ce sont des personnes, en fait, qui ne vibrent pas. C'est des personnes, souvent, qui sont pas dures, mais qui sont pas très empathiques avec les autres. Très franchement, j'ai vécu. Alors que quelqu'un qui a vécu des difficultés, eh bien, il va avoir une sensibilité quand même beaucoup plus aiguë. Alors, je dis pas que c'est toujours bien, mais ce sont des personnes qui sont capables de vibrer. Et moi, je pense que la souffrance, les questions, les efforts, c'est quand même nécessaire. Quel est l'intérêt, comme tu disais, de gravir en montagne si tu t'arraches pas un petit peu les mains, si y a un hélicoptère qui te prend, qui te met au sommet de la montagne, il n'y a aucun mérite. Mais On va c'est vraiment clair. que ce soit toi qui aies construit toute ton ascension, et là tu seras fier de ce que tu as fait. Voilà, mais en fait, parce que où je voulais en arriver, c'était à notre mission de vie. Parce que je me dis que si à chaque fois on fait appel à la loi de l'attraction et qu'en fait on passe au-dessus des épreuves, même pas à travers, on passe à côté de l'épreuve, est-ce que dans une incarnation future, est-ce que ces épreuves-là ne vont pas nous être représentées? Non,
Parce que là, ça rejoint. Alors déjà, c'est ce que je te disais, la loi d'attraction, tu t'en sers pas, en fait, tu la vis tout le temps. On est dans la loi d'attraction. On y D'accord. est constamment. Ce n'est pas un outil. C'est simplement de comprendre, en fait, comment la faire mieux fonctionner. Tu sais, c'est un petit peu comme si tu me disais, eh ben, moi, j'ai essayé de respirer pendant 2 mois, puis j'ai vu que ça marchait pas, donc j'ai arrêté de respirer. C'est pas possible. Si tu respires pas, tu meurs. La loi d'attraction, comme je disais, c'est pas quelque chose qu'on fait ou qu'on fait pas. On le fait constamment. Et pour moi, si tu veux, si tu surmontes les choses beaucoup mieux avec ça, en comprenant ce qui t'arrive, il n'y a aucune raison qu'on te reproche plus tard. Et puis, même si si tu es dans la loi d'attraction, eh ben, tu auras quand même des épreuves, tu auras quand même des choses à faire. Ce n'est pas parce que tu es dans la loi d'attraction 24 heures sur 24 que tu n'auras pas des épreuves. Tu vois ce que je veux dire? On ne va pas nous donner tout, tout cuit. Être sur son chemin de vie, tu parlais d'une mission. La Oui. mission sur Terre aussi, on me pose souvent cette question. C'est quoi la mission sur Terre? Ben là, je vais peut-être en décevoir quelqu'un, mais comme je le dis souvent aussi dans ma conférence, on ne sera pas tous président de la République, on ne sera pas Ça, c'est tous clair. acteurs, on ne sera pas tous chanteurs, on ne sera pas tous des sœurs Thérésa, des sœurs Emmanuel, des abbés Pierre. La mission sur Terre, c'est quoi? C'est d'être heureux. C'est simplement ça. Apprendre à C'est d'être aimer. dans le bonheur. Il n'y a rien d'autre. Peut-être que votre mission sur Terre, ça sera simplement d'élever vos enfants du mieux possible, d'être aimant, d'aimer les autres. La mission sur Terre, c'est que l'âme, elle évolue. Tu es d'accord avec moi en faisant ce que tu Ah, tout à t'agères, fait. Moi, c'est pour moi, vraiment que l'âme elle c'est... évolue. Après, si tu as des facilités pour que ton âme évolue, tant mieux. On ne va pas te remettre ces épreuves-là plus tard. Je veux dire, c'est un petit peu comme si tu as beaucoup travaillé toute ta vie pour obtenir quelque chose, et puis que tu l'as, après, on ne va pas te dire, ben non, mais tout ce que tu as vécu, eh ben, on va te remettre à zéro parce que tu n'en as pas assez, tu n'as pas assez trimé. Tu comprends? La loi Ah ben... d'attraction, si c'est une aide, ça veut dire que tu as compris sur Terre qu'on pouvait être aidé par la loi d'attraction, et ce que tu vis tous les jours, ben en fait, tu t'en sers comme d'une force. Ben c'est clair. Une fois que c'est traversé, ben on n'a pas besoin de le retraverser une deuxième fois. Ben non, non, bien sûr que non, à part si on n'a pas C'est compris. une leçon qui est apprise, hein, tout simplement, hein. Oui, mais tu sais, regarde, tout à l'heure je parlais de l'association dont je fais partie, la VMPN, qui est l'association des victimes de manipulateurs pervers narcissiques. Eh bien, dans cette association, il y a des femmes, hein, ou des hommes qui rencontrent 3, 4, 5 pervers narcissiques parce qu'ils n'ont pas compris. D'accord. C'est pas évident, hein, de toujours Ben tirer les bons souvent enseignements. ça tourne quoi. Souvent c'est une roue qui tourne, donc à un moment on va être en bas et puis à un moment on va être en haut. C'est ça, mais il faut comprendre pourquoi on a souffert telle et telle chose, même si ce n'est pas facile. Ben oui. Alors, il y a Candoliane, si on enlève la peur, quelle loi d'attraction nous conseillez-vous pour attirer l'âme sœur? Alors pourquoi la peur? Déjà, elle met un petit blocage. Il faudrait qu'elle développe. La peur de quoi? La peur des... Parce que dans sa question, c'est un petit peu comme si on avait peur d'être heureux. Pour attirer l'âme sœur, déjà, ce qui est important, comme pour tout le reste, il faut y croire. Parce que si on se dit, ah ben voilà, moi j'aimerais vraiment être quelqu'un, mais c'est pas pour moi, parce que là aussi, hein, c'est du vécu par rapport à toutes les personnes que je reçois, il y a des personnes qui disent, ouais, mais bon, Michel, moi je me suis tellement fait avoir, j'ai dit, ben d'accord, mais vous y croyez ou pas que l'âme sœur peut venir? Il y a des personnes qui disent, ouais, mais j'y crois plus. Ben, si vous y croyez plus, déjà, il y a peu de chances que vous réussissiez. Par rapport à soi, il y a un truc aussi très important là, qui me vient à l'esprit. J'ai une dame un jour qui vient me voir, et ça peut aider la personne à qui a posé la question. J'ai une dame qui vient me voir et qui me dit, moi, Michel, je crois plus à rien. Je prie plus, je crois plus à l'attraction, tout ça, il n'y a plus rien qui marche. Je lui dis, ah bon, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit, ben, ça fait des années que je prie pour être heureuse avec mon copain. Et elle me dit, ça fait des années que je suis malheureuse. Alors j'ai répondu, j'ai dit, ben, c'est tout à fait normal. Elle me dit, ben, comment, pourquoi c'est tout à fait normal? Elle me dit quand même, j'essaye que ça aille bien, je fais tout, et je prie même Dieu, je prie, je suis croyante, et là je ne crois plus rien parce que ça ne marche pas. J'ai dit, ben, en fait, vous avez fait deux prières. Vous avez fait une prière pour être heureuse, et vous avez fait une prière pour être avec cette personne. Ça fait deux prières. Si l'effort, si l'énergie, si Dieu, peu importe comment on l'appelle, sait que vous ne pouvez pas être heureuse avec cette personne, votre prière ne sera jamais exaucée. Faites une prière pour être heureuse, mais pas pour être avec cette personne obligatoirement. Et pourquoi c'est cette prière qui a été exaucée? Parce que être heureux, ce n'est pas concret. Par contre, la personne, elle le voit toujours, donc ça, c'est concret. Et elle a compris. Elle m'a dit, bah, je n'avais jamais vu des choses comme ça. Alors, je lui dis, ce n'est pas grâce à moi. Mais parfois, il y a des choses qui sont tellement simples qu'on ne les voit pas.
Si vous dites, je veux l'âme sœur, parce que là aussi, je rencontre des personnes qui me disent, ouais, mais moi, mon âme sœur, je veux un homme qui soit, même à 50 ans, hein, et parfois des personnes qui me disent ça, qui soit grand, avec les yeux bleus. Alors, je dis, ouais, mais vous n'avez plus 15 ans pour dire ça. Non, mais il faut qu'il soit grand, qu'il ait les yeux bleus, qu'il soit riche, parce que moi, je ne veux pas, comme on dit, laver les culottes et les chaussettes. Eh bien, vous vous barrez à plein, plein, plein d'opportunités. Peut-être que votre âme sœur ben, sera peut-être petit, chauve, et qui sera peut-être, je sais pas, peu importe, qu'il aura un métier, mais qui sera peut-être pas plein aux as. Et ça, faut l'accepter. C'est pas péjoratif tout ce que je suis en train de dire. Mais déjà, il faut enlever toutes ces barrières. Il faut être ouvert, de dire qu'est-ce qui est important pour moi, d'être heureux, heureuse, ou d'être avec la personne comme je veux qu'elle soit. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent pas l'âme sœur parce qu'elles font trop de critères. Après, ça ne veut pas dire non plus prendre tout ce qui vient. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais être ouvert, c'est-à-dire demander à votre énergie, demander à votre guide si vous croyez au guide, et il n'y a aucune raison que vous restiez seul. Même si ce que je dis, il y en a qui vont dire « ouais, mais il est bien gentil », mais ce n'est pas facile. Croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé l'âme sœur justement en lâchant prise. C'est le fameux lâcher prise dont beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire parce qu'on met toujours des conditions. Ah oui, mais moi, s'il y a un homme, il faut qu'il soit comme ça. S'il y a une femme, ah ben, il faut qu'elle soit blonde, il faut qu'elle soit comme ci. Ah, puis moi, un site de rencontre, non, surtout pas. Mais peut-être l'âme sœur se trouve sur un site de rencontre. On ne peut pas savoir. Donc, pour répondre, j'ai été long, mais je pense que c'était nécessaire. Il faut déjà y croire et lâcher prise, laisser venir. Bon, en fait, ce qui est important, c'est la formulation de nos voeux, en fait. La formulation, mais surtout le ressenti, j'insiste là-dessus. Parce que souvent, les gens ils me disent « oui, mais l'importance des mots ». Alors moi, je les compte toujours un petit peu. Une fois, il y a une personne qui me dit « ah, mais les mots, c'est très, très important ». Je lui dis « je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous ». Imaginez une femme qui est mannequin, qui se regarde dans la glace un matin, puis qui dit « qu'est-ce que je suis moche aujourd'hui ». Ce n'est pas pour ça qu'elle va se sentir moche. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui, tous les jours, vous dit « oh, mais je ne suis vraiment pas beau, mais qu'est-ce que je suis moche ». Là, c'est beaucoup plus important parce que vous avez un ressenti. Les paroles, ce n'est pas toujours le plus important. Alors, quand les deux vont ensemble, évidemment, là, c'est dramatique. D'un côté comme de l'autre, ça peut être dramatique ou bénéfique. C'est le ressenti qui est le plus important. Et encore une fois, quand vous voulez attirer l'âme sœur, si vous vous dites « moi, je veux attirer l'âme sœur », mais qu'au fond de vous, vous dites oh, « ben, j'y arriverai jamais ben, », c'est sûr que vous allez beaucoup, beaucoup passer du temps, vous allez reculer la venue de l'âme sœur. Voilà. C'est pas moi, il faudrait écrire en fuchsia. S'il te plaît, pour que les questions passent à l'antenne. Bon, je vais la prendre, elle est écrite en jaune, mais voilà, la prochaine fois, en fuchsia. J'espère lui avoir répondu. Voilà. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai demandé fortement à me sentir protégé. Résultat, j'ai fini en prison. Oui. Je crois que ça correspond à ce que tu viens de dire là maintenant. Est-ce que l'on peut considérer que la loi d'attraction a fonctionné? Oui, mais on ne peut pas mettre tout sur le dos de la loi d'attraction. C'est un petit peu comme les personnes qui me disent, encore une fois, là je vais rentrer dans la foi, mais qui me disent, si Dieu il existait, eh ben, on ne ferait pas ça, il ne se passerait pas ci, il ne se passerait pas ça. Déjà, une, on a leur petit arbitre. Une fois, j'expliquais à une personne, parce que j'expliquais ça à une personne, j'ai imaginé que vous soyez un fou de voiture, et puis tous les jours, vous prenez le même virage à 160 km/h. Et puis dans votre tête, vous dites, bah, de toute façon, moi je m'en fous, je suis protégé, je crois à la loi d'attraction. Et bien un jour, vous allez rater le virage et vous allez vous prendre un mur. C'est obligé, même si vous êtes à fond dans la loi d'attraction. Parce que ce n'est pas parce qu'on vit dans la loi d'attraction qu'on peut se permettre de tout faire. Moi, je veux pas me... c'est pas parce que je crois à la loi d'attraction que je vais me balader sur l'autoroute en me disant, bah, les voitures vont m'arrêter. Oui. Ben oui. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est dans l'ordre d'attraction que plus rien ne nous arrive. Ça, il faut quand même bien en prendre conscience. On aura des choses difficiles à vivre. L'important, c'est de les comprendre. Et si vous êtes déjà dans la loi d'attraction, ces choses, soit vous allez les éviter, soit vous allez grandement les diminuer, ou alors si vous ne les diminuez pas, c'est que ça va vous apporter quelque chose de positif. Et ça, j'insiste là-dessus, sur ces trois choses. D'accord. Alors, Thierry qui dit, ben là, ça va un petit peu dans le sens dont tu parles. La loi de l'attraction, c'est aussi une philosophie de vie, c'est se mettre en accord, en harmonie de. Voilà. Oui, je ne vais pas lui dire contre. Ben, c'est ce que tu es en train d'expliquer. Hein. Alors, Kanamaran, je suis d'accord, je vais rebondir, mais la loi d'attraction ne m'a pas servi pour un temps plein. Voilà. Oui. Mais je ne dis pas le contraire. Ça n'a pas servi pour un temps plein. Mais déjà,
qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Quel métier elle veut faire vraiment? Moi, je suis très partisan, à la limite, souvent, d'écrire. Pour se libérer la tête, c'est d'écrire. De dire, je veux faire quoi comme métier? Ben, alors, après, je ne la connais pas, hein, mais il faut qu'elle se pose, entre guillemets, les bonnes questions. Pourquoi elle n'arrive pas à trouver ce temps plein? Alors après, c'est toujours pareil. Hein. Je prends mon exemple. Tiens, mon exemple, je pense qu'il est très, très, très parlant. Moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas allé très, très, très longtemps à l'école. Voilà. Et par contre, très jeune, j'ai senti que je pouvais aider les gens. Et des années après, je me suis dit, ah ben, c'est dommage que je ne sois pas allé à l'école, j'aurais pu faire psychologue. Et puis, oui. Parce que c'était après ce qui me plaisait. Mais du coup, maintenant, je ne regrette pas, parce que tous les gens que j'aide, je ne pourrais pas le faire en psychologie, parce que la psychologie, c'est plus médical. Donc là, maintenant, je suis bien content, finalement, de ne pas avoir fait ces études-là, parce que j'ai trouvé ma voie. Donc cette personne, elle peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire elle peut trouver sa voie, mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, il faut lâcher prise, peut-être pas comme elle le pense, elle. C'est-à-dire il faut déjà, dans un premier temps, il faut qu'elle sache ce qu'elle veut faire vraiment, quel est le métier qu'elle veut faire. Après, elle va peut-être dire, ouais, mais moi, je vais faire ce métier, mais aussi, je ne veux pas m'éloigner de ma famille, je veux quand même voir mes enfants, tout ça. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, mais et elle aura raison. Mais encore une fois, il ne faut pas se limiter. Ce qu'elle cherche, ce n'était pas incompatible. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on n'a pas le diplôme. Moi, je viens de prendre mon exemple, hein, je pense que beaucoup l'auront compris. Eh bien, c'est pas parce que je ne pouvais pas faire psy, je ne pouvais pas me replonger dans les études, que je n'ai pas pu faire quelque chose d'équivalent et qui m'apporte de grandes joies. Ah ben, il y a une célèbre phrase de Bouddha que je vais lire. Là, tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Ça va dans le sens de la loi de l'attraction, là, pour vous. Bien sûr, bien, tout à fait. Oui. Tu sais, il y a aussi, dans une conférence que j'ai faite récemment, il y a une personne qui m'a dit, un petit peu le même genre de question, qui m'a dit, ouais, Michel, moi, mon rêve, c'est d'aller aider les enfants en Afrique. Elle dit, mais par contre, là, je suis marié, j'ai des enfants, même si j'applique la loi d'attraction, je ne peux pas. Alors, c'était une bonne question. Hein. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne commencerais pas avant d'aller en Afrique d'aider les gens, même des pays qui sont en France. Déjà, commence par ça. Peut-être que ça va t'amener justement pour plus tard, peut-être quand ça sera temps d'aller en Afrique. Je dis, mais commence déjà par faire autre chose dans ce que tu aimes, d'aider les enfants qui sont déjà en France, même s'il y a des étrangers hein, qui sont en France, des Africains que tu peux aider, si c'est vraiment ton truc, et ça va peut-être t'amener justement, la loi d'attraction va t'amener de plus en plus loin dans ce domaine-là. C'est ce que disait Coluche. Si on n'a qu'une idée, dire moi mon truc c'est d'aider les enfants en Afrique, et que ce n'est pas possible pour tout un tas de réseaux, eh bien on n'y arrive pas. Par contre, il y a des manières détournées. Comme on dit, les voies du Seigneur, c'est impénétrable. Je te disais, c'est ce que disait Coluche. Il disait avant d'aller aider les gens dans d'autres pays, il faut commencer par aider les gens en France. Et oui, mais... Voilà. Oui. Mais après, de fil en aiguille, on peut arriver à aller aider les étrangers. Et pourquoi pas aider, comme tu le disais, les étrangers en France. Voilà. Mais comme tu dis, de fil en aiguille. Et si c'est vraiment son chemin de vie d'aller aider des gens en Afrique, elle ira. Si c'est son chemin de vie, tout s'ouvrira pour qu'elle y aille. Oui. Voilà. Alors, eh bien, on va s'écouter une chanson. Mmh. Et après, on arrivera à la dernière partie de l'émission. Ok. Alors, ce sera Serge Reggiani. Voilà, c'est quelqu'un que j'arrive et que j'adore. Et la chanson, c'est Le Petit Garçon. Une chanson que j'adore aussi. Bon, elle n'est pas joyeuse, mais c'est une belle chanson tout de même. On va faire la loi d'attraction, on va essayer de rendre joyeux. Voilà. Allez, Serge Reggiani, Le Petit Garçon. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur ltu-radio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, et donc jeudi prochain, nous aurons le plaisir de recevoir une fois de plus Virginie Desmarais, qui va venir nous parler des enfants partis trop tôt. Voilà, on se donne rendez-vous jeudi prochain à partir de, je crois que ce sera à 21h30, voilà, parce que je ne dise pas de bêtises quand même. Alors on retrouve
notre ami Michel pour la loi de l'attraction, dernière partie. Alors, juste avant les questions, il m'est, pendant la chanson, tu vois, c'est pas la nuit porte-conseil, c'est les chansons porte-conseil. Il m'est revenu deux choses très importantes que je préfère dire tout de suite avant de les oublier. Oui. Il y a deux choses, c'est que très souvent aussi, quand j'ai des personnes en entretien, ce qu'il apparaît le plus souvent, c'est que les gens ne s'aiment pas assez. Donc, ça, c'est vraiment le truc numéro un. Si vous ne vous aimez pas assez, ça revient de toute façon à la question qui a été posée tout à l'heure par rapport au fait de trouver l'âme sœur, etc. C'est vraiment important de s'aimer. Ça ne veut pas dire être narcissique, hein, ça ne veut pas dire tous les jours je suis le meilleur, je suis le plus beau, c'est pas ça. Mais ça veut dire déjà d'apprendre à s'aimer. Ça, c'est vraiment le plus important dans la loi d'attraction. Si vous voulez bien, c'est en accord avec vous-même. Et la deuxième chose, c'est que ça aussi, c'est important de le dire, c'est que quand vous êtes dans la loi d'attraction, vous allez attirer à vous tous les gens et les événements. C'est ce que j'appelle des gens clés, des événements clés. On en a tout au long de notre vie. Et quand on est dans la loi d'attraction, on les voit beaucoup plus et il y en a beaucoup plus qui viennent à nous. Voilà. D'accord. Mais voilà des choses intéressantes. Voilà. Alors, on continue. Bon, je vais arrêter avec mes questions. Je vais poser simplement les questions du chat là maintenant pour le coup. Alors, une question d'Océane. Tout cela me fait penser que l'on peut avoir recours à des recherches type astro, tarot, pour se conforter dans notre décision d'avoir recours à, plutôt que d'avoir recours à la loi d'attraction, si l'on n'est pas satisfait de ce que l'on a obtenu. Voilà. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous trouvez votre bonheur dans les tarots, dans l'astrologie, allez-y. Qu'est-ce qui est important dans la vie? C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je ne veux pas forcer les gens. Quand je fais les conférences, c'est ce que je dis. Je ne suis pas là pour vous convaincre coûte que coûte. Moi, je vous dis que la loi d'attraction, ça fonctionne. Je vous dis que la loi d'attraction, quand on vit dedans, on n'a plus besoin. Je le dis ouvertement, on n'a plus besoin d'aller voir de psy, on n'a plus besoin de tout un tas de choses parce qu'on est bien, on est en accord avec soi-même. Mais moi, je ne suis pas contre le fait d'aller faire. J'ai eu un thème astrologique, j'ai des amis qui sont voyants, j'ai des amis qui sont médiums, et tout ça, ce n'est pas incompatible. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas se limiter. Si vous êtes bien quand vous allez voir un voyant ou quand vous allez voir, vous faites un thème astrologique, allez-y. D'accord. Ben oui, c'est pas incompatible. Du moment qu'on se sent bien quand on fait quelque chose, il n'y a pas à dire je vais prendre ou ça, mais c'est pas incompatible. D'accord. Il y a Catamaran, ça doit être lié, non, bonne vibration, donc la loi de l'attraction, ça se met en place tout seul. Voilà. Selon nos vibrations, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est ce qu'on disait, ça se met pas en place, c'est on C'est, est dans la loi on d'attraction est, tout constamment. simplement, oui. Alors. Une question. Dirais-tu que la loi d'attraction est une recherche des opportunités avec le comportement qui va avec? Pour moi, ça va plus loin que ça. Ça va vraiment plus loin que ça. Ça va plus loin que les opportunités. Alors, on n'est pas là pour faire une émission de tous les phénomènes, entre guillemets, que j'ai vu, que j'ai vécu et que j'ai vu chez d'autres personnes. Mais j'ai vu des vies littéralement transformées. Et ça va vraiment plus loin que les opportunités. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de limite magique. Alors là, je ne suis pas en train de perdre la raison, hein. Mais pour moi, quand on est vraiment là-dedans, il se passe vraiment des choses hors du commun. Très, très franchement. Des moments, il y a des choses où on se dit, mais c'est pas possible, mais je suis vraiment aidé, quoi. Comme on disait tout à l'heure, trouver un boulot, là, mais qu'on n'attendait pas du tout, trouver l'âme sœur, il va se passer des circonstances. On dit, mais c'est pas possible. Ou éviter un accident, hein. Moi, je connais des personnes qui ont évité un accident, mais vraiment d'extrêmement limite, mais qui n'aurait jamais évité en temps normal. Quand je disais tout à l'heure que la loi d'attraction peut faire des miracles, je ne me disais pas en minimisant la chose. Pour moi, ça va beaucoup plus loin que les opportunités. Alors oui, c'est les opportunités, mais ça va plus loin que ça. C'est beaucoup plus puissant que ça. D'accord. Alors, Alain, oh là là, là c'est compliqué. Je n'y crois plus. Car à chaque fois, je tombe sur des manipulatrices, Voilà. MDR. Moi, je cherche une vie heureuse, aimer et être aimé, refonder une famille, et au final, c'est juste des stagiaires qui cherchent le compte en banque et pas l'amour d'un cœur. Et après, on n'a plus envie d'être en couple, ni d'avoir quelqu'un dans sa vie. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Et alors, ça tombe bien parce que, comme je disais, je suis aussi dans l'association des manipulateurs, des manipulatrices. Eh bien, déjà, il y a certainement quelque chose, quand on parlait de l'attraction, il vient de le dire lui-même, il a dit, je tombe toujours sur des manipulatrices. C'est toujours qui m'interpelle.
S'il est toujours, c'est qu'il est dans un schéma qui produit lui-même. Je suis désolé pour lui, mais ça veut dire qu'il reproduit un schéma qui fait qu'il va attirer, encore une fois, hein, c'est sa porte de l'homme au moulin, qui va attirer par ses ondes des manipulateurs, enfin des manipulatrices. Ça peut pas être autrement. C'est ce que je disais tout à l'heure, il a certainement une onde, il s'est branché, lui, c'est pas sur classique, c'est sur l'onde manipulatrice, mais déjà, ça va mieux, parce que déjà, il s'en rend compte, il a réussi à se défaire, parce que, croyez-moi, se défaire de manipulateurs, de manipulatrices, ça peut mettre des années. Il y en a qui ont passé toute leur vie, il y en a qui ont passé 30 ans, 40 ans à se défaire de ça. Si lui, il s'en rend compte, c'est déjà qu'il y a un mieux. Donc ça, c'est le côté positif. Après, comme je disais, est-ce que quand il dit je n'y crois plus, est-ce qu'il lâche prise? Est-ce que vraiment, c'est quelqu'un qui lâche prise? Est-ce qu'il laisse faire les choses? Et est-ce que, justement, ils disent pas, ben, cette personne, il faut qu'elle soit comme ci, comme ci, comme ça. Et est-ce que vraiment, il y croit? C'est ça qui est important. Bon, je le connais pas, hein, mais est-ce que vraiment, quand il fait sa prière, entre guillemets, hein, je ne dis pas d'aller à la guise, mais est-ce quand il se dit, qu'il demande à lui-même, qu'il demande à ses guides, est-ce qu'il dit vraiment, voilà, je veux rencontrer quelqu'un, je veux fonder un foyer, mais j'y crois à ça. J'y crois et je veux que vous m'aidiez, je veux que mon énergie m'aide, je veux que mes guides m'aident. Et après, comme je disais, lâcher prise et être sûr que ça va venir. Par contre, s'il se dit, oulala, surtout, je veux plus de manipulatrice, et ben, il va l'attirer. Ça, c'est évident. Parce qu'il ne sera pas sur une onde d'espoir, il sera sur une onde de peur. Et encore une fois, la peur va engendrer la peur. La confiance va engendrer la confiance, la foi engendre la foi, etc. Mais s'il a peur, il va en attirer d'autres. D'accord. Alors là, il y a Cathy. Alors, une voyante m'a raconté qu'elle avait annoncé à un couple qu'ils arriveraient à vendre leur maison. Et un an après, ils sont revenus la voir en se plaignant. Elle leur a demandé s'ils l'avaient mis en vente et ils ont répondu non. No comment. Oui, mais là, je suis d'accord et ça me fait même plaisir qu'elle dise ça. Parce que, encore une fois, lorsque les gens ne savent pas, comme je disais, j'ai des amis voyants, les voyants proposent un chemin parmi d'autres. Mais encore une fois, imaginez la même personne, je vais lui dire, allez, je suis voyant, et je vais lui dire, ah ben moi, je vois une grosse somme d'argent, je vois le gagner au jeu. Ben, si la personne ne joue pas, elle ne va pas gagner. On peut modifier son destin, on peut modifier l'avenir, et heureusement d'ailleurs. Donc, les voyants vont voir une possibilité de votre vie, mais ce n'est pas pour ça que ça va forcément marcher. Il vaut mieux se dire, je suis sûr que je vais vendre ma maison, et là, on va s'ouvrir des portes, plutôt que d'aller voir, encore une fois, j'ai rien contre les voyants, mais il y a des gens qui vivent que pour ça. Moi, j'ai, alors ça tombe bien qu'elle dise ça, cette personne. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu une dame aussi, qui me dit, ça fait 15 ans que je suis en attente d'un homme, et parce qu'une voyante m'a dit que ça sera un homme avec une voiture noire. Ah Et bah bien, ça voilà. fait 15 ans. Alors, elle me dit, donc, je lui dis, mais vous vous rendez compte, 15 ans? 15 ans, vous attendez, elle est comme une voiture noire. J'ai dit, imaginez, si ça se trouve, il avait une blanche, il l'a fait repeindre en noir. Ou comme je disais, j'ai dit, mais il faut pas, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas rencontrer quelqu'un d'autre. Et peut-être que ce quelqu'un d'autre aura un ami qui aura une voiture noire. J'ai dit, mais ne vous fiez pas à cette voiture noire. Parce que ça, c'est donner sa vie à quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, on n'a pas le droit de se laisser influencer comme ça. On a notre propre vie, on a nos propres croyances, on a un chemin où ça nous permet d'évoluer. Et quelque part, c'est une petite leçon qu'ils ont reçue. Ils ne sont pas assez écoutés, eux. Ils ont écouté une voyante. Elle est peut-être, je ne la connais pas, cette voyante. Hein, je ne veux pas la dénigrer. Mais quelque part, c'est une leçon que ce couple a reçue. C'est clair. Moi, j'évite ce genre de choses. Hein. Parce que bon, je pratique la voyance aussi. Mais j'évite parce que je me dis que je peux me tromper et que je n'ai pas le droit de gâcher le rêve de personne. Parce que finalement, quand on impose ce genre de choses, là, c'est que on peut casser quelque chose, enfin, on peut casser le rêve d'une personne. Oui, bien sûr. Là, tu parlais de voiture tout à l'heure, ça peut être donc tu vas rencontrer une blonde, ben, la personne va attendre une blonde alors que le voyant il s'est peut-être trompé et que Oui. c'était une brune. Et donc il y a une brune qui est passée et l'autre il attend une blonde. Et bien finalement, Oui. on lui a fait rater. Exactement. Voilà, et on n'a pas le droit de Exactement. faire ça. On n'a pas le Non. droit. Non. Par contre, on peut mettre en garde. Ça, c'est pas interdit. Voilà, moi Moi, je veux dire, je. moi, je fais pas, je fais pas. Mais par contre, des moments, je fais un peu entre guillemets de shining où j'ai des informations très fortes. Et parfois, je me dois de dire à la personne, attention, là, vous n'êtes pas tout à fait sur le bon chemin. Mais c'est pas pour ça que je veux l'influencer. Je veux simplement la mettre en garde de. C'est tout. Ah, moi, j'emploie d'autres méthodes. Je dis à la personne, voilà ce que je vois, j'explique ce que je vois. Par contre, je peux me tromper parce que je ne Bien suis qu'un sûr. homme. Bien sûr. Voilà. Tout le monde peut se tromper, évidemment. Voilà. Et c'est comme ça que je fais. Mais t'as raison.
Voilà. Cathy, Bellus, à la première question de Bellus. Bonsoir Bellus. Pourquoi que lorsqu'on met toute notre énergie pour attirer, par exemple, un poste de travail qui tombe à pic, et donc tout ce que l'on recherche sont rassemblés, nous échappe, alors que c'était un rêve, une évidence? Tu es sûr que t'as pas compris? Si, j'ai compris. J'ai compris parce qu'en plus, c'est arrivé à pas mal de personnes, et notamment une personne qui m'échappe, parce que ça arrive à ma femme. Ça fait des années qu'elle postule pour un poste, et finalement, ce poste, elle n'a jamais eu. Et du coup, là, elle s'est aperçue, avec le temps, qu'en fait, elle était faite totalement pour autre chose. Alors, je ne dis pas que la personne que tu viens de me dire, c'est la même chose, mais là aussi, il y a toujours une explication. Est-ce que cette personne, eh bien, elle a émis les bonnes vibrations pour avoir ce poste? Est-ce que c'est vraiment dans son intérieur que c'est vraiment ce poste qu'il lui faut? Là aussi, je peux prendre un exemple. Encore une fois, je prends un exemple. Je ne dis pas encore une fois que c'est la personne, mais j'aime bien prendre des exemples pour que la personne comprenne mieux. J'ai une personne que j'ai rencontrée et qui voulait être absolument être célèbre, qui voulait être chanteuse. Et donc, je lui dis, bon, pourquoi tu veux être chanteuse? Elle me dit, ben, pour être célèbre, pour être reconnue, pour gagner de l'argent. Et puis, alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ce n'était pas le but, mais en fait, moi, quand je fais des entretiens, je fais d'abord ce qu'on appelle un portrait chinois. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite batterie de questions toutes simples, mais vraiment toutes simples. Pour moi, ça me permet de me mettre en relation avec la personne. Et comme je dis, je travaille beaucoup, beaucoup sur le ressenti. Donc, ça me permet de voir tout un tas de choses. Et cette personne, quand je lui ai fait son portrait chinois, franchement, alors c'est pas de la voyance, hein, mais je me suis dit, moi, je ne la vois pas chanteuse. Je ne vois pas du tout cette personne-là chanteuse. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, je vais être honnête avec toi. Moi, voilà, dans ton portrait chinois, voilà ce qui ressort pour moi, les capacités que tu as. Et elle, ça fait des années, elle m'a dit, non, non, moi, je vais être chanteuse. Et puis, elle a fait le portrait chinois. Et quelques mois, 2 mois après, hein, elle m'a rappelé, elle m'a dit, Michel, j'ai eu un déclic. En fait, mon truc, c'est de travailler avec les enfants. Et elle a trouvé un travail avec les enfants. On est Chinois. très, très, très loin de chanteuse. Oui, mais en fait, ce qu'elle voulait, elle voulait être reconnue, elle voulait qu'on l'aime, elle voulait avoir de la foule autour d'elle. Et elle a trouvé ce truc avec les enfants. Elle m'a dit, bah, j'ai vraiment trouvé ma voie. J'ai dit, bah, c'est grâce à toi, parce que tu as trouvé ta voie toi-même. Alors, il y a eu un petit déclic, il y a eu le portrait chinois, il y a eu des choses. Mais voilà, c'est pour faire bien comprendre à la personne que parfois on croit qu'on est fait pour quelque chose, mais au fond de nous, il y a quelque chose qui bloque, parce que parfois on est fait pour tout à fait autre chose. Alors, je ne dis pas que c'est la même chose pour cette personne, hein, mais il y a certainement un petit blocage chez elle qui fait qu'elle n'aura pas la place. Ben oui. Alors, soit c'est ce que je dis, peut-être qu'elle est prête pour autre chose, soit elle n'est pas prête, soit elle a émis des mauvaises zones, peut-être de peur, peut-être de blocage, peut-être que. Puis, voilà, donc après, voilà, je ne la connais pas suffisamment, mais ça peut être une piste. Ça peut être une piste. D'accord. Et c'est Voilà. vrai que c'est rageant quand systématiquement, eh ben, il y a des places qui nous passent sous le nez, on se dit, mais moi, je méritais cette place. Mais très souvent, ça a toujours un sens. Hein. C'est rarement que ça soit comme ça, que ça soit la vie qui nous punit. C'est très, très, très souvent, il y a quelque chose à comprendre là-dessus. Est-ce que cette personne, vraiment, si elle avait ce poste, eh ben, est-ce qu'elle aurait la même vie de famille? Est-ce que, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est pour essayer de faire comprendre. Est-ce qu'elle serait plus malheureuse parce que, ben, moins sans enfant, moins son mari? Est-ce qu'elle serait obligée de faire plus d'heures? Est-ce qu'elle serait obligée de faire plus de kilomètres? Est-ce que c'est vraiment, ça correspond vraiment, comme je disais tout à l'heure, à son fond intérieur, à ce qu'elle ressent? D'accord. Après, il ne faut pas qu'elle soit déçue de ma réponse. Comme je dis, je ne la connais pas, donc ce n'est peut-être pas ça du tout, mais ça peut être des pistes à exploiter. D'accord. On va arrêter là avec les questions, parce que l'heure tourne, et puis il nous reste 10 minutes, même pas 5 minutes d'émission qui nous reste. Donc on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur toi quand même. Oui. Donc à savoir ce que tu fais et un petit peu ton actualité, si tu as des conférences de prévues ou autres. Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc moi, il y a les 3 conférences que vous pouvez regarder. J'ai fait une émission aussi qui s'appelle De la souffrance à la liberté de l'être avec Sylvie aussi qui anime un site où c'était ben, 3 personnes, enfin je faisais partie des 3, où on expliquait un peu les souffrances qu'on a eues et comment on s'en est sorti, des personnes qui ont vécu des choses très douloureuses. Je vous invite vraiment, pour la loi d'attraction, vraiment à regarder la première que j'ai faite. Vous verrez, c'est un petit smiley. Vraiment, là, vous apprendrez plein de choses parce que ce sera vraiment plus complet. Hein. Parce que là, comme je disais, je prends tous les thèmes. Sinon, ben, par rapport, moi, c'est
comme je disais, ça fait plus de 35 ans que j'aide des personnes. Je fais des entretiens par Skype, je fais des entretiens, bon, alors comme je suis dans la Loire, soit je me déplace chez les gens, évidemment que si vous habitez en Bretagne, je ne vais peut-être pas prendre ma voiture pour y aller. Mais par contre, ce qui est important, je tiens à vous dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est gratuit, je vous répondrai du mieux que je peux. Donc ma boîte, c'est info, I-N-F-O-S, tiret, positive, sans E, non, c'est info, point. Oula, ça y est, je suis perdu là. Alors, attends. Alors, je vais regarder. J'ai été perturbé par l'émission. C'est info, I-N-F-O-S, arrobase, positive sans E, tiret, attitude.fr. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous promets que je vous répondrai. Et comme je vous dis, je le ferai gratuitement. Moi, je déteste laisser les gens sans... Sans réponse. Je préfère que vous me posiez, n'hésitez pas, posez-moi des questions. Donc je vous dis info, arrobase, positive, sans E, parce que c'était déjà pris, tiret, attitude.fr. Mmh. Voilà, donc un peu, voilà, et comme je dis, ben moi je vais continuer à faire des conférences. Je vais faire une conférence, donc comme je disais tout à l'heure, sur la médiumnité, le channeling et le voyage astral. C'est complètement différent. Hein. Voilà. Tu as une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook aussi, c'est positive-attitude. Pareil, c'est positive sans E, attitude.fr. Voilà. Est-ce que tu as un site internet? La même chose. Positive-attitude. Oui, positive-attitude, okay. Mais je dis bien positive sans E. Alors, le site, il est tout simple, hein, il est vraiment tout modeste. Ce n'est pas un site évolutif, c'est vraiment un site que j'avais fait comme ça, avec c'est un ami qui m'a aidé à le faire, que je remercie toujours. Mais c'est pas, voilà, vous trouverez le principal, mais c'est pas le grand site avec tout un tas d'onglets, voilà, c'est un site vraiment modeste. Voilà, l'important c'est de bien manger, surtout l'onglet à l'échalote. Voilà. Voilà. Donc le site, j'espère de rien avoir oublié parce que j'ai pas envie non plus. Ah oui, alors est-ce que tu fais des consultations et si oui, lesquelles? Alors, je fais des consultations, comme je disais. Donc, je prends 45 euros. Je peux les faire par Skype. J'en fais beaucoup, beaucoup par Skype. Par téléphone, c'est bien, mais j'aime mieux par Skype parce qu'on voit la personne. Faut bien compter une heure et demie. Une heure et demie, voire même deux heures. Parce que je dis une heure et demie, mais souvent, ça dure deux heures. Donc, c'est vrai que je compte pas mon temps. Et puis après, comme je dis, je fais toujours un suivi. Si les personnes veulent me poser des questions après, c'est pas pour ça que je redemande une autre consultation. Je suis pas très vendeur, hein. C'est ce qu'on me reproche parfois, mais moi c'est mon truc à moi. Comme je dis, je suis en harmonie avec ça, je suis en alignement avec ça. Mais comme je vous dis, c'est pas parce que je fais des consultations que je vous répondrai pas non plus gratuitement si vous avez des questions à me poser par rapport à ton émission. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, merci Alain pour la page de Michel. Voilà, il y a ton site qui est marqué sur le chat, il y a ta page Facebook. Ah, mais c'est gentil. Voilà, alors il y a des remerciements, hein, Thierry, merci Michel, superbe émission, merci à toi d'être. Alain, merci Michel, c'est gentil. Bélus, merci Michel pour ta réponse bise de Nantes. Nizou, merci Michel, suis à Saint-Étienne, je vais voir votre site. Moi, je suis à fond dans la loi de l'attraction. Merci. Voilà. C'est bien. Vénus, moi aussi à fond dans l'attraction. Catamaran, merci Michel pour ton intervention. Voilà. Ben, je la remercie, elle a posé beaucoup de questions. Merci Catamaran pour ta super participation aussi. Et encore, j'ai pas tout lu toutes les questions, hein. Il y en avait d'autres. D'accord. Voilà, mais il fallait que je suive un petit peu le fil de l'émission et que j'étais obligé d'en sauter quelques-unes. Voilà, donc on va remercier et on va souhaiter la bonne soirée et le bon week-end aux personnes qui restent dans le chat. Voilà, alors il y a Catamaran, Jean-Pi, Alain, Cathy, Candeliane, Nizou, Océane, Thierry, Babelu, invité 14, David, Flip, 86, Josie, c'est pas moi, 54, Bélus, Marie-Laure, 54, 99, 76, 98 et 17. Voilà. Très bien. Ouh, c'est ceux qui restent. Et on souhaite aussi le bonsoir à ceux qui ne sont pas dans le chat. Et il y en a pas mal. Eh ben, il y en a plus à l'extérieur. Bonne soirée à tous, un bon week-end. Voilà, Michel, je te remercie d'être passé nous voir. Ben moi aussi, je te remercie, ça m'a fait très 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 plaisir. Et puis j'espère qu'on en fera d'autres parce que c'était vraiment sympa.
Ouais, et puis moi continue, mais comme tu as vu, je partage avec mes amis Facebook et Ouais, je c'est pense que ta sympa. radio elle plaît beaucoup, donc faut continuer toi aussi. Voilà, ben on essaye, je fais au mieux, comme on dit. Puis on aura peut-être l'occasion de se voir, comme on disait, si tu viens dans ma région. Tu vas où? Tu habites où? Et ben moi j'habite à 20 minutes de Saint-Étienne. D'accord, ben je vais à Saint-Étienne l'année prochaine et à Ben Lyon. je sais, puisqu'on connaît Carmo tous les deux. Voilà. Ah, t'as parlé de moi alors, j'imagine. Voilà, exactement. Hein? Voilà. Très bien. Allez, à bientôt, Michel. Eh bien, à très merci. Bon bientôt. week-end à tous. Bon Au week-end. revoir. Voilà, donc la rediff sera mise, enfin le podcast sera mis sur LTU et sur YouTube pendant le week-end. Ah, tu Voilà. mets sur YouTube aussi? Oui. Pour que avec tes liens et tout ce que. De toute Et façon, sur YouTube, on tape quoi du coup? tu vas sur ma chaîne, en fait, tout D'accord. simplement. Et, enfin, sur la chaîne LTU, c'est pas les miennes. Sur la chaîne LTU. Et puis sur les rediffs, on met les liens qui vont vers ta page Facebook, vers ton site internet et tout ça, quoi. Eh bien, c'est super. Voilà, c'est normal, c'est un juste retour. Eh bien, merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Voilà. Allez, générique, bon week-end à toutes Merci. et à tous. Et puis je vous aime, quoi, tout simplement. Aussi. Au revoir.